Jules pour Jupiter Icy Moons, explorer de l'ESA, effectuera des observations détaillées de la planète gazeuse géante et de ses trois grandes lunes océaniques. Il y aura Ganymède, Callisto et Europe. Et la mission caractérisera ces lunes à la fois comme des objets planétaires et des habitats possibles, explorant en profondeur l'environnement complexe de Jupiter. Mais Houston, on a un problème avec le déploiement de son antenne radar. Le problème potentiellement causé par une goupille coincée est traité par les équipes de contrôle de mission de l'ESA avec diverses stratégies, y compris une combustion du moteur et des rotations de l'engin spatial. Mais malgré ça, les autres instruments de JUICE fonctionnent correctement, puis il y a une fenêtre de 2 mois pour résoudre le problème. 2 mois, c'est pas tant. Pour toutes vos nouvelles du spatial, c'est ici. Bienvenue dans votre actualité spatiale. Show! Elle s'intéresse à toi uniquement parce qu'elle pense que tu es l'élu. Mais je suis l'élu. C'était quoi ça? T'as l'air d'Harry Potter. Ah. La sonde JUICE est en difficulté cette semaine. Il y a un de ses instruments déterminants qui arrive pas à se déployer. Ben, ils ont juste à le déployer, le SMAT. C'est de l'humour gratuit, ça. Pas mon problème. Le radar pour l'exploration des lunes de Jupiter est principal instrument de la sonde, on va se le dire, ben, il s'est pas déployé parfaitement. Son antenne de 16 mètres de long n'a pas pris sa pleine grandeur. Et si l'instrument peut pas être mis en service, ben, il sera un coup dur pour la mission. Des 10 instruments à bord de la sonde, RIM pour Radar for High Sea Moons Exploration est considéré comme un des éléments essentiels à la réussite de la mission. Et c'est le 14 avril que Ariane 5 lançait la sonde JUICE vers Jupiter et ses lunes. Et c'était l'un de ses derniers rugissements, là, il n'en reste pas beaucoup. La retraite arrive. Quelques jours après le lancement de la sonde, l'instrument RIM devait être progressivement déployé. Ben, elle l'est toujours pas. Malheureusement, son antenne de 16 mètres ne s'est pas complètement dépliée. Et on parle environ là, du tiers. C'est pas le tiers, ça, c'est la moitié. Et pour expliquer ce dysfonctionnement, plusieurs hypothèses sont à l'étude. La plus plausible serait une petite épingle coincée qui empêcherait de libérer l'antenne de son logement. Je ne comprends pas qu'ils avaient oublié une épingle. Moi non plus, mais c'est comme ça. Et si cette hypothèse devait se confirmer, ben l'ESA pense qu'une simple question de millimètre pourrait faire la différence pour libérer le radar. OK, mais comment libérer le radar dans l'espace? C'est ça la question. Ben, y a quelques options, mais la plus envisageable serait un allumage moteur pour secouer un peu le satellite, suivi d'une série de rotations pour réchauffer le support et le radar, qui sont actuellement sur le côté froid du satellite. Et ça, c'est à l'ombre du soleil. Ben, ils vont briser la sonde, voyons. Je te l'accorde, c'est pas l'idéal, mais ben, c'est mieux que rien. Et de toute façon, comment faire sortir de son emplacement l'épingle? Bien que la sonde emporte 9 autres dispositifs, ben, RIM est l'instrument majeur pour le succès de la mission. C'est parce que cet instrument est capable d'identifier et de dresser directement la carte de la structure interne des couches de glace. Et ce radar pénètre dans la glace à 9 km pour étudier la structure de surface puis tout sol des lunes glacées Ganymède, Europe puis Callisto. Pis il doit servir à bien comprendre les éléments structurels, tectoniques et cryogéniques, des données vraiment importantes pour découvrir si les possibilités de vie dans notre système solaire sont possibles. C'est possible sur la Terre. Oui, mais oublie les planètes qui tournent autour des étoiles. Pense aux lunes qui tournent autour des planètes. Aha! Bref, on va se croiser les doigts parce que cette mission est vraiment importante. Oui, les lunes glacées nous intriguent, les missions en direction de Jupiter, ben, sont assez rares. Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de la Lune. Pourquoi la Lune, le SMAT? Ben, pourquoi pas? Puis en plus, cette semaine, savez-vous que son noyau a enfin été révélé? OK, merci. La Lune est si proche de nous, ben ça c'est relatif, là, 384 000 km, mais encore si mystérieuse. Pourquoi tu tournes en parlant, là, le SMAT? Hey, ça fait plus de 50 ans que les scientifiques cherchent à percer le secret de la structure interne de la Lune, puis à expliquer la présence d'oxyde de fer et de titane dans les roches formant la croûte lunaire. Et notre satellite naturel contient-il, comme notre magnifique point bleu pâle, une graine solide au sein d'un noyau externe fluide? C'est une question? Non. Eh bien oui, la Lune possède un petit noyau solide. Les mers lunaires contiennent d'étonnantes quantités de fer et de titane, puis leur formation résulte d'importantes éruptions basaltiques survenues il y a environ 3 milliards d'années. Puis cette composition indique que le manteau lunaire serait plus riche en fer que le manteau terrestre. Et dans le passé, l'analyse de la rotation de la Lune nous a permis de mettre en évidence la présence d'un noyau externe fluide, mais pas d'une graine solide. Et grâce à la compilation de données provenant de différentes missions spatiales, puis surtout de la télémétrie laser Lune permettant de mesurer les déformations de notre satellite sous l'effet des marées, les chercheurs ont pu mettre en
évidence la présence d'un noyau solide d'environ 500 km de diamètre. Et ce serait une graine très dense, proche de celle du fer, qui représente environ le 15% de la taille de la Lune. Et en plus des roches lunaires apportées par les missions Apollo qui ont permis de dater les terrains de notre satellite, ils nous ont conduit au scénario de l'impact géant entre la jeune Terre et Théia, il y a eu des dispositifs optiques rétro-réflecteurs qui ont été installés. Je ne comprends pas l'impact. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est pas compliqué, c'est que la Lune se serait formée suite à une collision entre une planète qui s'appellerait Théia et notre belle Terre. Et cet impact, puis Théia aurait la grosseur d'à peu près Mars, mais aurait créé notre Lune, les morceaux, là, les débris. Cet événement aurait expulsé dans l'espace de grandes quantités de matière qui se seraient ensuite agglomérées sous l'effet de la gravitation, donnant naissance à la Lune, ou Terre 1, oui, et apportant de l'eau à la Terre. Et pourquoi cette théorie? C'est que la composition de la Lune est anormalement proche de celle de la Terre, ce qui suggère qu'une bonne partie de la matière constituant notre satellite naturel a été arrachée à la Terre primitive avec cette collision. C'est pendant les missions Apollo 11, 14 et 15 que les rétro-réflecteurs laser ont été déposés sur le sol lunaire. Oui, les Russes vont faire de même avec les missions Luna 17 et Luna 21 qui vont déposer des rovers aussi équipés de rétro-réflecteurs. Et la révolution laser des années 1960 a permis aux scientifiques d'effectuer de la télémétrie laser-Lune. Et ça consistait à mesurer des temps d'aller-retour pour des émissions en direction des rétro-réflecteurs lunaires, permettant de faire des mesures très précises de la distance Terre-Lune, puis aider à mesurer ses mouvements en orbite autour de la Terre sous l'influence de son champ de gravité, mais aussi de celui du Soleil. Et des dizaines de milliers d'allers-retours de faisceaux laser qui ont été réalisés à partir de 5 stations sur Terre ont donc permis aux chercheurs de déterminer la forme et la taille du noyau de la Lune. Et n'oubliez pas que la rotation de la Lune sur elle-même et ses mouvements orbitaux sont dépendants de la structure interne de notre satellite. Aujourd'hui, l'exploration lunaire est en pleine croissance et l'ajout de nouveaux réflecteurs à sa surface fait partie des plans d'Artemis afin de poursuivre l'étude de l'intérieur de la Lune. La NASA extrait de l'oxygène de la fausse poussière lunaire, puis ça pourrait aider les astronautes à respirer librement. Presque, ouais, sur notre satellite un jour. Un test récent de chercheurs du Johnson Space Center de la NASA a réussi à produire de l'oxygène en utilisant un sol lunaire simulé dans le vide. Et le test consistait à faire fondre la poussière de Lune dans un réacteur spécial pouvant atteindre des températures très élevées. Puis lorsque le sol lunaire simulé a été chauffé, l'équipe a détecté du monoxyde de carbone qui en était libéré, dont l'oxygène peut être séparé. Et la capacité de produire de l'oxygène directement sur la Lune serait cruciale pour soutenir les plans de l'agence spatiale. Et dans le cadre de ces plans lunaires, la NASA vise à récolter et à utiliser des ressources sur place pour soutenir indéfiniment des missions à la surface de la Lune. Le test a été effectué en utilisant une chambre à vide thermique pour simuler les conditions lunaires qu'on appelle sales parce que la poussière de Lune, elle s'étend partout. Et dans la chambre à vide sphérique de 4,6 mètres, il y a un laser haute puissance qui a été utilisé pour simuler la lumière solaire concentrée afin de faire fondre le régolithe simulé. Et grâce à un nouveau réacteur carbothermique développé pour la NASA par Sierra Space, les chercheurs ont pu maintenir une pression constante à l'intérieur du réacteur pour empêcher les gaz de s'échapper tout en permettant simultanément aux matériaux de régolithes usés d'entrer et de sortir de la zone de réaction pendant le test de la chambre à vide. Et en utilisant le spectromètre de masse, l'équipe a pu détecter le monoxyde de carbone émis par le régolithe dynamisé au laser. C'est donc officiel, le réacteur survivrait à la surface lunaire et réussirait à extraire l'oxygène. Et la technologie est donc prête pour une utilisation réelle dans l'espace et est sur la bonne voie pour être utilisée pendant les missions Artemis de la NASA. Artemis 3 enverra les premiers astronautes depuis plus de 50 ans à la surface de la Lune et prévoit utiliser l'habitation lunaire à long terme comme tremplin pour envoyer des humains sur Mars. Rien que ça, on aime ça ici. À l'extraction réussie de l'oxygène du régolithe lunaire a de nombreuses applications, y compris la production d'oxygène respirable et même de carburant de fusée. John Glenn a été le premier Américain à orbiter autour de la Terre le 20 février 1962. En 4h et 55 minutes, il a fait 3 fois le tour du monde dans sa capsule spatiale Friendship 7. Et à la suite de cette merveilleuse animation de Seabass Productions, qui ont publié cette semaine, j'ai pas eu le choix de vous raconter cette histoire inspirante.
C'était les années 60 et la course à l'espace était lancée. Glenn a été l'un des premiers astronautes américains membres du groupe de la NASA appelé Mercury 7. Glenn et ses collègues astronautes sont montés sur des capsules spatiales Mercury à l'étroit dans l'inconnu. À cette époque, les astronautes de la NASA donnaient des surnoms personnels à leurs capsules spatiales. Glenn et sa famille ont choisi le mot « Friendship », ajoutant le chiffre 7 pour honorer ses collègues astronautes de Mercury. Mais le nom officiel de la NASA pour la mission de Glenn était Mercury Atlas 6. Mercury pour le dieu romain de la vitesse et Atlas 6 pour indiquer qu'il s'agissait de la sixième mission lancée au sommet de la fusée Atlas. Et la fusée Atlas et les problèmes météorologiques ont forcé la NASA à reporter 4 fois le lancement orbital de Glenn. Et enfin, avec la météo coopérante et les problèmes Atlas résolus, Glenn s'est attaché à Friendship 7 tôt le matin du 20 février 1962. Et alors que le contrôle de la mission effectuait ses dernières vérifications du système, eh bien Carpenter, qui était l'astronaute de secours pour la mission, a ajouté « Godspeed, John Glenn ». Et Carpenter a expliqué plus tard qu'il avait trouvé la phrase sur place, mais qu'elle avait une signification pour la plupart des pilotes d'essai et des astronautes. Puis à cette époque, personne n'était allé aussi vite. La vitesse orbitale nécessaire pour maintenir une orbite terrestre basse stable, c'est d'environ 28 000 km/h. Et Glenn a atteint cette fameuse vitesse. Ça, c'était une première pour un Américain, mais Glenn n'était pas le premier Américain dans l'espace. C'était le troisième après les courts vols suborbitaux d'Alan Shepard en mai 1961 et Virgin Gus Grissom en juillet 1961. Et restez jusqu'à la fin parce qu'au chapitre 5, à la fin du chapitre 5, je vais vous parler d'Alan Shepard, puis ça aussi, c'était tout un vol. Ben, il n'était pas le premier terrien à orbiter autour de la Terre. Encore une fois, il était arrivé troisième après deux cosmonautes russes. Il y avait Yuri Gagarin, qu'on connaît bien, en avril 1961, et German Titov en août 1961. Le vol orbital de Glenn signifiait que les États-Unis rattrapaient l'Union soviétique dans l'espace. Puis au cours de sa deuxième orbite, le contrôle de mission a remarqué qu'un capteur émettait un avertissement indiquant que le bouclier thermique puis le sac d'atterrissage de Friendship 7 n'étaient pas sécurisés. Et ça avait été la mission et Glenn en danger, et les responsables n'ont pas immédiatement informé Glenn du problème potentiel, lui demandant plutôt d'effectuer une série de petits tests sur le système pour voir si ça résolvait le problème, ce qui a finalement permis à Glenn de comprendre leurs préoccupations. Mais après une série de discussions, il a été décidé que plutôt que de suivre les procédures standards pour jeter la rétrofusée, et ça c'est un moteur qui est conçu pour ralentir la capsule lors de son entrée, mais Glenn maintiendrait la fusée en place pour aider à sécuriser le bouclier thermique. Mais en fait, tout allait bien. Glenn est rentré avec succès dans l'atmosphère terrestre et à plonger dans l'océan Atlantique. Il y a des navires, des hélicoptères et des hommes-grenouilles qui l'ont récupéré avec succès à 1300 km au sud-est des Bermudes. Et plus tard, lorsque les ingénieurs ont inspecté la capsule récupérée, ils ont constaté que le bouclier thermique était en très bon état. Un capteur défectueux avait détecté un problème qui n'existait pas en réalité. Le vol de John Glenn a fait de lui un héros national instantané. Il a conduit sa renommée à une longue carrière politique qui comprenait 25 ans au Sénat et une candidature présidentielle en 1984. Glenn est retourné dans l'espace à 77 ans à bord de la navette spatiale Discovery en 1998. Et le principal objectif scientifique de sa mission était d'étudier les effets de vols spatiaux sur les personnes âgées. Glenn est décédé à 95 ans le 8 décembre 2016. Et je vous mets cette magnifique vidéo de Seabass Production dans la description. Voici notre chapitre découverte de cette semaine. Wow! Alors, je commence avec des images du lancement de la fusée Falcon Heavy de la semaine dernière. Quel beau coucher de soleil en arrière-plan! La rentrée du carénage sur la mission Viasat 3 a été la plus chaude et la plus rapide que SpaceX n'a jamais tenté. Les carénages sont rentrés dans l'atmosphère à plus de 15 fois la vitesse du son, créant une large traînée de plasma dans son sillage. Hey, c'est fou de penser que ce plasma brûlant provient des molécules d'air devant le carénage qui se compriment tellement qu'elles chauffent au-delà d'un gaz et se transforment en plasma. Et imaginez maintenant un vaisseau spatial géant revenant de l'orbite lunaire. Ici, sur cette photo, avec un temps d'exposition plus long, nous pouvons apercevoir les lignes des trois boosters qui ressemblent curieusement à trois faisceaux laser de l'espace. Toujours la vitesse de la lumière avec SpaceX. Ouais, nous pouvons admirer le travail. Hey, regardez les échafaudages et les ouvriers qui grouillent dessus. Bref, SpaceX ne chôme pas. Et comme disait Franklin Roosevelt, les gagnants cherchent des moyens, les perdants des excuses. C'est une des nombreuses raisons du pourquoi je crois en cette compagnie. Et vous, qu'en pensez-vous? Et voici une image prise le 1er mai du Starship 25, et ça l'avance. Et cette semaine, Lockheed Martin nous a partagé cette animation du chemin suivi par la capsule Orion lors de la mission Artemis 1. Et c'est complètement magnifique, j'adore. Et au mois de mai 1930, Amy Johnson quitte Croydon lors du premier vol solo d'une femme entre, imaginez, l'Angleterre et l'Australie. C'est historique, wow, quel souvenir! Puis en parlant de souvenirs, je termine avec le début de l'aventure américaine dans l'espace.
Le 5 mai 1961, une fusée Redstone a lancé la capsule Mercury d'Alan Shepard Freedom 7 à 187 km en haut et 486 km en aval du Cap Canaveral en Floride. Freedom 7 a été parachuté dans l'Atlantique à peine 15 minutes et 22 secondes plus tard après avoir atteint une vitesse maximale de 8336 km/h. Et dans l'obscurité du matin du 5 mai 1961, Shepard monte dans sa capsule au sommet de Redstone. Né en 1923 à Derry au New Hampshire, il est diplômé de l'Académie navale en 1944. Il a servi également sur un destroyer au cours de la dernière année de la guerre, puis il a suivi une formation en vol, il a volé sur des porte-avions, puis il a testé des avions à réaction de la marine. Il est rentré dans la capsule de Freedom 7 environ 2 heures avant le lancement prévu à 7h20. Et pourtant, les retards techniques se sont prolongés. Shepard a dû uriner dans sa combinaison spatiale parce qu'aucune disposition n'avait été prise pour que l'astronaute puisse se soulager. Puis lorsqu'il s'est irrité des retards, il aurait dit au contrôleur de lancement: « Ah, sérieux? À la gang, là, pourquoi ne réglez-vous pas votre petit problème et n'allumez-vous pas cette bougie? Sérieux! » Et peu de temps après, à 9h34, ils l'ont finalement fait. La fusée a brûlé pendant un peu plus de 2 minutes avec l'accélération qui l'a projeté dans son canapé avec une force de plus de 6 G. 6 G, ça c'est 6 fois la gravité terrestre. C'est comme s'il y avait 6 personnes comme vous assises sur vous. C'est énorme, je peux vous le dire. Là. J'ai fait 3, là, puis c'est quelque chose. Et après la séparation, la capsule s'est retournée et a pointé le bouclier thermique vers l'avant pour la rentrée. Puis pendant les 5 minutes d'apesanteur, Shepard a testé les systèmes de contrôle d'attitude de Freedom 7 puis a étendu le périscope pour voir la Floride. Sa capsule n'avait pas de fenêtre supérieure intégrée dans les véhicules ultérieurs. Puis une fois au-dessus, il était temps de tirer les rétrofusées qui n'étaient pas nécessaires pour son vol, mais un test pour savoir comment sortir de l'orbite. Et la brève rentrée a été brutale avec des pics de plus de 11 G. Je vous parlais de 6 G là pour un, hein? Là je vous parle de 11 G. 11 G. C'est un fou. Bref, le déploiement du parachute était normal et son vaisseau spatial a heurté l'océan avec un impact qui a comparé à l'atterrissage sur un porte-avions. Un hélicoptère de la marine l'a récupéré et l'a emmené par la suite à l'USS Lake Champlain. Et en 1963, Shepard a été retiré de statut de vol pendant 6 ans en raison d'un problème d'oreille. Mais ensuite, il est devenu le seul astronaute de Mercury à aller sur la Lune, commandant l'atterrissage d'Apollo 14. Et il est décédé en 1998. Alan Shepard sera toujours le premier Américain à être allé dans l'espace, le deuxième être et humain. Et le cinquième à marcher et sur la oui, Lune. Oui, absolument. Le cinquième à marcher sur la Lune. OK. OK. Very good. Et ça complète votre actualité spatiale chaud de la semaine. Hey, merci à tous de faire partie de la grande aventure Blue Dot Future. Et comme disait Confucius cette semaine, ne vous affligez pas d'être connu de personne, mais travaillez à vous rendre digne d'être connu. Et d'ici là, profitez de ce début d'été fantastique pour admirer ce ciel étoilé. Et la lune est magnifique cette semaine. Hey, oubliez pas d'être Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Une belle semaine. Adios, amigos.